Paris a réussi à attirer l'Allemagne, d'une certaine mesure un peu l'Angleterre, ouais, tous ces pays qu'il a ramenés dans ce qu'il avait appelé quoi, la Géorgie. Ils ont formé un bloc là-bas, dans le Sahel, n'est-ce pas, pour qu'elle ne soit pas isolée. Takuba, merci beaucoup. Takuba, toute cette logique-là de rassembler, n'est-ce pas, l'Europe autour de la France pour venir partager le gâteau du Sahel, n'est-ce pas, cette logique-là aujourd'hui est un affrontement direct avec les intérêts de Washington. Je répète, pas parce que l'Amérique a une vision différente de celle de la France, non. Du tout. La stratégie est simplement différente parce que dans le fond, les marchés financiers, les financiers américains affrontent les financiers européens Européen. et ils sont dirigés par les familles Rothschild et les familles Rockefeller. C'est pour ça qu'il faut comprendre la divergence qu'il y a entre les États-Unis La France, et pour ne pas dire l'Union et européenne. la France. Mais tous sont d'accord pour imposer des armées de terroristes sous le couvert du mot djihadisme, n'est-ce pas, de les imposer pour justement déstabiliser tout le Sahel et après l'avoir déstabilisé, se le partager. Même si l'Amérique veut avoir le gros morceau qui se le partage. C'est ça la bataille. Donc la région flambait, la sous-région brûlait et la France et les Antilles faisaient des discours sur la lutte contre le terrorisme, ont créé des bases militaires chacun, soi-disant lutter contre le djihadisme. Mais vous avez observé très bien que depuis qu'ils sont là, ça fait qu'augmente, ça flambait, ça flambait, ça fait que le feu, ce sont des drones, des sapeurs-pompiers, ils allument les feux brûlent à un niveau très intensif et vous proposent d'éteindre le feu et vous donnent la facture. La facture, c'est quoi? C'est toutes les matières premières que vous avez dans le sous-sol, c'est toutes vos richesses. Alors, on va démanteler tout ça, mais en plus de ça, on va détruire vos ressources humaines, c'est ça le grand reset, c'est le grand reset. On saccage tous vos ressources culturelles, bref, on saccage tout, on vous déshumanise. Le projet, ce n'est pas simplement les ressources naturelles, les gens se trompent. Parce que l'agenda écologique qui est porté par les financiers américains, on nous dit ce qu'ils appellent la transition écologique, mais c'est quoi? Le stade suprême de ce projet de transition écologique, c'est la déshumanisation, c'est la transhumanisation. Donc le projet n'est pas seulement de prendre des ressources naturelles. Donc vous avez derrière la conquête de ressources naturelles, mais aussi l'imposition d'un projet de civilisation qui vise, n'est-ce pas, à déshumaniser la planète Terre. Voilà, ces deux enjeux sont majeurs. Il faut bien comprendre ça, ces deux enjeux. Donc, ça, la révolution panafricaniste, qui est une révolution globale, qui est une révolution parce qu'elle se fait dans le cadre d'une géopolitique globale, où aujourd'hui il y a un affrontement violent qui oppose le bloc russo-chinois au bloc occidental. Occidental. C'est très important. Très important.